pour un instant. La solitude du dernier spécimen d'une espèce en voie de disparition. Grégoire représente le dernier spécimen de la race humaine. Il a pourtant été entouré de personnes toute sa vie, mais ces personnes sont des êtres formatés qui n'ont plus rien en commun avec l'être humain. Il n'est, lui, à leurs yeux, qu'un insecte répugnant qu'on doit écraser à tout prix. Le rêve de Grégoire débute avec une arrestation. L'après-volée fête largement, puisque
qu'il m'a suffi de paraître devant ce nombreux auditoire pour mettre dans tous les yeux la plus étincelante. Personnage de la folie. Les petits écoliers continuent à apprendre la matière du programme par cœur, sans réfléchir, ils deviennent gras, la salle de classe se transforme en bureau, l'institutrice en superviseuse. Le formatage collectif a très très bien fonctionné, tout roule rondement dans le meilleur des mondes. Grégoire sera également le spectateur privilégié de l'envers du décor. Il assistera à une scène parlementaire du monde des rêves. D'un bord, les dieux des marchés, le nouveau parti au pouvoir. De l'autre, les dieux des livres poussiéreux, le parti d'opposition. Grégoire se réveille de ses cauchemars en sursaut, ne comprend rien du tout à son sort. Il fait la connaissance de Mathilde. Grégoire et Mathilde communiquent par cette petite porte sans se voir tout au long de l'opéra. Mathilde pose les questions qui feront comprendre à Grégoire pourquoi il est accusé. Arrive l'aube et la scène de la fusillade, qu'arrivera-t-il à Grégoire? À
interlude synoptique terminé. J'étais dans une forêt obscure, mais il est trop tard. Ils vont tuer ce qu'il reste de l'humanité, une âme à la fois. Tu es tout ce qu'il reste de l'humanité. Qui es-tu ?
et tranquille, qui dans le lac du cœur avait duré la nuit que j'ai passée, si pleine de peine. Et comme celui qui hors d'haleine sortit de la mer au rivage, se retourne vers l'eau périlleuse. Pas si sage qu'il croit.